comme yo pe bali bali, est-ce que beaucoup respecter, beaucoup soutenir Vital Kamerhe la 2023 ndenge boyo kanaka natumi l'élection de 2018 et ça même na Nairobi to na République du Congo. Ce sont des engagements interpersonnels n'engagent pas l'État. Félix Tshisekedi est président de la République, il est là pas sur base des accords qu'il aurait signé avec Vital Kamerhe, mais sur base de la volonté du peuple. Maman, d'accord, nous sommes le peuple congolais. Nous ne sommes pas dans leur accord. Si Félix Tshisekedi reconnaît avoir eu des accords avec Vital Kamerhe, c'est l'individu Félix Tshisekedi. Donc Félix n'engageait pas l'UDPS. Je parle de l'individu Félix Tshisekedi. Non, à l'époque, quand il était candidat, il n'engageait pas l'UDPS. Mais aussi, nous n'avons pas refusé si l'UDPS, si l'UDPS a des accords avec Vital Kamerhe. Que l'UDPS aille régler ses accords, les accords, mais nous, peuple congolais, nous nous référons à la Constitution et à notre volonté en tant que peuple. Félix Tshisekedi, c'est notre candidat en 2023. Nous, nous n'avons rien à voir avec les accords interpersonnels. Il y a un chantage. L'âme d'une alliance politique, c'est d'abord la vision. Quand l'âme d'une alliance politique devient un intérêt quelconque, or nous sommes alliés à l'UDPS sur base non seulement de la vision, mais nous sommes liés par les sorts. Nous, élus de PES, nous, autres visions du Congo, Didier Boudimbou et Félix Tshisekedi sont liés par le sort. Ce sort-là, c'est quoi? C'est le devenir du Congolais. Kamerhe, Félix Tshisekedi, Badaki lié par un intérêt. Et l'intérêt, c'était quoi? Félix Tshisekedi était porté par le peuple congolais. Vital Kamerhe, ayant compris ça, mais qui avait un intérêt, il est venu se greffer à cet intérêt et non à la vision. Yango Mouni Babadur et Landaki Nassima. Il y a un la donc les gens vitaient la même chose. C'était l'inverse. Si ça aurait été l'inverse, puisque la politique c'est des rapports de force, Kamerhe allait être présent à la République. Vital Kamerhe, il a Vital Kamerhe, lui, des intérêts, non seulement ses intérêts ne sont plus inavoués. Ses intérêts sont avoués, puisque le parcours de Vital Kamerhe, tout le monde le sait. Ça veut dire que la crédibilité, la conséquence de l'alliance UNC, UDPS, a permis aussi à l'UNC d'avoir des députés. Tout celui-là. Non. Vraiment, c'est faire leur jeu. Nous avons une place dans le Bakamokolonion. C'est mon opinion, ce n'est pas mon parti. Dans la capitale, Kamerhe n'a mis son balai. Dans le Bibon. Comment se fait-il que Bango va lire dialogue? Non, 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 ça veut dire que toi, tu es en train de relayer leur voix. Dans mon akandeko, yo. Et c'est qu'il a mis sur toi, comment se fait-il qu'il y a dans l'optique moko dans l'adversaire? Parce que normalement, un adversaire, déjà, il faut prendre avis avec beaucoup de réserves. Mais comment lui, il se permet de relayer leurs avis? On est là, première manche, il y a réponse. Mais deuxième manche, il y a un peu de temps que je suis dit que je suis dit que je belge dit que je suis. Non, nous ne sommes pas là à nous plier devant leur volonté. Il y a un mot qui est veto de souveraineté. Nous devons juste sortir le veto de notre question souveraineté et les bouter dehors. Ceux qui combattent M23, sont-ils congolais ou pas? Non, ils ne sont pas congolais. Ceux qui combattent ne sont pas congolais. Ils peuvent dire qu'ils ont la nationalité congolaise. Mais même moi, Cédric, aujourd'hui, si je traverse Nakomi M23, dès l'instant que l'âme du M23, c'est le Rwanda, ça veut dire que je porte le combat du Rwanda. SM Mbingi, Bosenga Kimama Arlette Odia, yeyo en tout cas tozu ye a disponibilisé tant na ye ayako le kana biso to solo la. Naye to ko solo ma solo ya mboka Mama Arlette Odia. SM Mbingi so kutana naye. Biso pe to se peli, rapena se peli. Boni peperde. Peperde za bien. En plein pour ça, si on a 2023, c'est une année où il y a un enjeu ébélé. Et Bisopé na s'éduque comme structure, mouvement social, politique, tout ça fait bien. S'éduque, ça va, vous hein? Avez se préparer. Ok, mon tour n'est pas tout en tout cas, na yambi mon tour ali proche, il y a PPRD, il y a tout dans la santé, Jimmy Kitenge, boni, boni. Il y a des juristes, des gens qui ont été en vue, des gens en vue. Non, visiblement, c'est un procès judiciaire. Mais en vérité, ce n'est pas du tout un procès judiciaire. Tout le monde sait que Bazo poursuivre Jimmy Kitenge parce que a condamné qui voyage à Mokonzambo, Kao, à Kendaki.
na Marbella pendant que au même moment Bounaga n'a qui prié par des étrangers et Jimmy qui tenait le quoi moko ba kabiliste le quoi moko ya ba communicateur ya parti PPRD à Talisaki que ça ne pouvait pas se concevoir. Après, c'est que exemple à Makambouya, Zelensky, Nambokana et Ukraine, qu'il est tout le temps concentré pour Nako, Kobundela Mbokana et mais qu'il était quand même étonnant que d'ailleurs à la même époque, gouvernement, membre du gouvernement Bazaki n'a vacances. Assemblée nationale vacances, Sénat vacances, même président de la République a joué qui vacances naé na Marbella. Pourtant, ils ont quand même conseillé à Kibakamia Mbokabazala au four et au moulin pour Nako, Kokota la Makambana Bounagana, au point que lui avait pensé que ceux qui m'ont conduit à Mbokakenda qui voyageaient à Marbella, certainement que Bounagana ne serait pas pris. Et si c'était pris, il n'a qu'à où Melaté. Mais il a été taxé d'avoir déplacé le langage. Lelo oyo, Mokonzi Mbokaza ko voyage te, contrairement à Ndenge oyo alingaka ko voyage. Pour la même raison. Mais c'est après autant de temps, oui, que Mokonzi Mbokaza Moutou a se déplacé à moi mingi. Mais depuis que bah, territoire Moussousou, en plus de Bounagana, et comment est-ce qu'on a occupé par les rebelles, a diminué bah, sensiblement bah, voyage mais est confirmé maloba au Jimmy Kitengaza que loba ko senga mokonzi mboka atika akata mboka sikoyo qu'il ne voyage pas. Est-ce qu'il y a encore des raisons que Jimmy Kitenge azala na prison? Il n'y a pas de raison, mais ceux qui va ko maintenir rien en prison, ça veut dire que c'est un procès politique. C'est regrettable que mboka lelo ekamba mina UDPS au lobby azaki ko tout le temps koloba voilà procès politique, voilà procès politique aujourd'hui pour des raisons qui ne tiennent pas la roue. Moko ambiso aza continuer ko zala na prison, c'est regrettable. Bangonde ba ko kamamboka, la logique voudrait de notre part Total Isabango qu'ils doivent les libérer et de leur part ba ebake ils sont dans les conditions de les libérer et ba libérer. Maman nga letre dia mokonzi mboka otso uta kala mingi te na Luanda na Angola. Mais tant que Zongi peut être enregistré l'émission, et si maintenant, on peut dire qu'il y a aussi un 18h. Tout le monde peut papa Kagame Kounate, un 23 peut être dit que le papa n'a pas Zongi, c'est qu'il n'y a pas de Congolais. C'est ce que tu as dit. Si nous les Congolais, depuis 1960, on a signé. Ba traité, ou ba accord, ou ba mini, ou ya Nairobi, ou ya Saint-Pétersbourg, ou ya Genève, tu signeras qu'à Kanyos. Si quoi, na M23 ils ont boyé, ils ont mis dans côté. Suite à ma camozo, mon langue dingue, tu vois, suka dingue ni de na ma camboy. RDC, RDC zambo kamunene. Ba oyo baza ko kamba RDC, baza ba kambi ya mikie. Pourquoi? Parce que ba ou comprendre te les enjeux. O na o Italie sécurité na est du pays. Tango. Kabila azaki na pouvoir parce qu'il faut rappeler que Bitumba na est ya mboka e bandi lelote e bandi utakala avant Mouzea ya na Bokonzi avant Kabila fils ya na Bokonzi mama Bobila Dawa alobaki yango na dernière interview na ye o akorda ki na ba journaliste alobi depuis Maréchal Mobutu azaki na pouvoir tant wa komi malade komi komi maye Bitumba banguna ba komi deja ko kote la na kati ya mboka. Donc ça date d'il y a plusieurs années. Et tant au président Kabila Joseph Azaki Nabokonzi, il avait qualifié ba groupe wana des groupes terroristes. Aux terroristes, on ne demande pas la paix. Aux terroristes, on impose la paix. Mais quand le lobby yo kaki sikande wana mama lettre, le lobby batomi ba goloba, il avait concéder beaucoup de choses au nom de la paix. C'était une fausse paix, une accalmie vraiment il y a beaucoup de temps quoi parce que à concéder qui bango biloko ebele, pas promettre qui bango biloko ebele, le quoi là, il y a le mot Bokonzi. Ça tient ni ko sale la yangote, place nde bazonge ni bitumba. Pour balobi bo promettre ka biso bo pesa Wana maloba ya union sacrée pona populisme. Oh, président Tshisekedi ayebisi bato nyonso que na kati ya discours officiel que asanganaki na ba mboka mosusu
pona tout na bango soki nini yango balingi pona mboka accord a salaire bango ba concession mais malheureusement ba twana ba continuer ko bondisa mboka si cette version o bande ko ya union sacrée ba golo ba que mboka Kabila a seda ki yango soki ezaki ya solo mais président tiki di lelo azana bokonzi a denia a denoué ngo a retiré signature a retiré c'est pour vous dire que ce n'est pas vrai. La paix avec le M23, à l'époque de Joseph Kabila, elle n'avait pas été négociée. Armée congolaise et télémaki et défaire M23. Ce n'était pas une paix négociée. Non. Nous avons abissé la paix perdue toi ou l'oba. Mais comment on peut considérer, en tout cas l'Union sacrée, le président Tshisekedi, l'UDPS, comment ils peuvent considérer M23 comme un groupe terroriste, mais au même moment, qu'on négocie paix. Un terroriste. Bah négocier en a répété parce que Moussala na eza ko semer terreur. Moussala na eza ko boma. Moussala na eza ko botola. Eza ko yiba. On l'impose la paix. Ndomoni Joseph Kabila avait imposé la paix grâce à l'armée congolaise. Na 2023, ndé M23 eza ki défait. Le loso ki M23 y refaire surface. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Eza que ils estiment que bah accord ou bah signé qui n'a président. Tshisekedi. Ils le disent. Est-ce que tant le bango baloba qui est basé dans l'accord, na président Tshisekedi, oh ils a respecté. Est-ce que yo kaki bande quoi des pèses baye qu'au contredire bango? Jusqu'ici non. Non, faut pas dire que mais au-delà de ce photo là, il y a une porte-parole il y a M23 à lobby. Qu'ils sont en accord avec l'UDPS. À lobby, que ba oumela ki na kati ya Kinshasa pour que ba négocier ba makambo. Et ce qu'on l'a dit, discours ya mokonzi mboka, on peut sentir qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que dit M23 et ce que dit la République démocratique du Congo à travers ses dirigeants. Siko, pourquoi vous pouvez à la fois considérer ces gens-là comme des terroristes? Et puis bon, on va quitter. Bonjour, que des cobons de la bango. Bas ça la paix. C'est incompréhensible. Et là comme sous. Et ça que bas cambio bas au Kamaboka à la fois bas au considérer M23 comme l'armée rwandaise. Au même moment des bras de l'armée rwandaise. Au même moment, basa kolobake, basa soutenu par le Rwanda. Parce que si M23 est Rwanda, il ne peut pas être soutenu par les Rwanda. Des deux choses l'une. Non, je comprends pas. Le contenu est à moi, Malaka, c'est toi qui es malé, mais pour pas n'importe quoi, Koland. Soit M23 est allé, Rwanda, y a Ngomoko, soit est allé soutenu, moi, ni un, c'est allé. Donc, ceux qui est allé M23, est allé Rwandais, ils ont besoin de soutien, t'es pas allé déjà Rwandais. Mais c'est ça. Y a Ngoana, n'est pas allé. Mais la communication, y a Bissou, y a Bissou. Déjà, communiqué, madame, t'es. Le chef et le porte-parole du gouvernement, Koukaye, n'a pas communication, Moussou, sur lobby. M23 soutenu par le Rwanda. Au Congo, quand il y a une communication, ce soit lobby, M23 c'est l'armée rwandaise. Nous sommes les autres. Alors que pour les autres, que non, M23, baza ba rebelle congolais, Oyo, baza en discussion, na gouvernement congolais, na régime yakati ya Kinshasa. Donc, on est la PPRD. Nous allons au-delà de la dimension, il y a un clivage politique. Pour nous, peu importe la nationalité des M23, peu importe ceux qui composent ou constituent le M23, étant donné que Ezaba groupe terroriste, Bazako semé terreur, Nakatia Mboka Nabiso, ils doivent être mis hors état de nuire et nous comptons sur notre armée. Pour se défendre. Bon, selon Yon Botomaye, les mamans à Bouania, M23, ils allient appellation correcte, ils allient mine, ils allient bras séculiers et armée rwandaise, ils allient bah, rebelles congolais, tout, bah, ils allient sous
L'appellation correcte pour la confusion. Pour Donc c'est sous le régime du président Tshisekedi que tout ça au cas solo nango. Mais c'est justement à eux de nous dire, de dire aux Congolais, même 23 outi wapi, ma kam na bango ici là qui, ils ont dit nengé nini. Tant mon Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi a joué Bokonzi. Il y a combien de fois Paul Kagame a zaki tout le temps qu'il y a en RDC. Souvenez-vous, avant même que coalition FCC caché Koufa, le président Kabila a talisa qui président Tshisekedi que tala baini ya Congo tala batu oyo balinga ya Congo et développé te bambo kangwa tangeli bango na kati na bango atanga Paul Kagame yemoko Paul Kagame aloba que aza bien na bambo kanyo surtout ya Afrique sauf RDC parce que Joseph Kabila pesaka à une certaine période confiance na Paul Kagame pour que ba mutualiser ba force ba koka ko bondisa ba rebelle congolais de même que ba bondisa ba rebelle rwandais et ça là bas ba effort conjugué mais après et a qu'on se rendre compte que Paul Kagame ne joue pas franc jeu et ça là qui est assez retiré na ba alliance na ba convenance au ba ça là qui. Et tant que Félix Tshisekedi a Bokonzi, a talisié que la RDC a une expérience. S'agissant de la gouvernance, ils ont que FCC, ils ont que PPRD, to UDPS. Voilà, pendant que le PPRD était au pouvoir, des accords avaient été pris, mais ce monsieur ne respecte pas sa parole. Ce monsieur ne voit que des intérêts égoïstes. Alors méfiez-vous de lui. Tshisekedi a l'obani. Au nom, RDC continue à isolement diplomatique, alors que c'était une stratégie. La plus belle femme, elle s'est fait toujours entourer, il y a bateau bas qu'on rôdait autour d'elle pour la co, que bébé sa beauté naé. Et tout le monde sait que la RDC est parmi les pays les plus riches potentiellement d'Afrique. Bambo comme soubaolinga ko ya ko exploiter biso. Alors, quand il n'est pas nécessaire de conclure des accords, quand il n'est pas nécessaire d'aller vers les gens, vers les partenaires. Quand il n'est pas nécessaire de recevoir des partenaires, mais autant ne pas les faire. Mais le président Tshisekedi ne nous a pas écoutés. C'est là qui à Bengiango, diplomatie agissante. À tout moment, au Kendaka, Togo Kaya Azana Russie, Togo Kaya Azana Namibie, Azana. Dans tous les pays du monde, d'une part, que Azako ouvrir RDC, na isolement diplomatique. De l'autre part, Azako Kendaka Koluka, investisseur congolais. Pour Bayako, Kolisa, économie, Nabiso, Mboka, et tout cela, nous sommes à 4 ans de son régime, rien. Bounagane Kenda, après que coalition FCC caché Koufa, parce qu'ils avaient dit aux Congolais que coalition FCC caché, Yangonde Zaki qui ont bloqué développement RDC, alors qu'on s'est finalement rendu compte que Zaki pour n'avoir bloqué développement RDC, et Zaki qui ont bloqué des nominations. Et où t'as kakana, m'ga wa famille politique mon côté. Parce que les élections, une des pays Sabima victorieux était dans l'Assemblée nationale. Or, gouvernement, la gouvernance, et où t'as en Assemblée nationale. Le président Tshisekedi a usé la position naïa qui est président de la République pour faire gober à la République que le FCC bloqué. Mais en plus de ça, l'obini, que ce qui kakato kabouani na FCC, ce sera développement mboka. Comme sur des roulettes. Parce qu'à l'oba qui a mon carreau commissaire ADC, Allemagne d'Afrique, à l'oba qui a naba congolais qui saloumé banda, Lelo Oyo, 2 ans après la rupture de la coalition FCC Cash, et Monisami Polele, que ce n'était qu'un alibi. Il n'y a aucun programme. Non, c'est la nomination, maman Arlette. Surtout, Anna Kati, il y a ma cambo à nomination. Quand le président Kabila, qui est notre chef de la, le chef de notre famille politique, à l'obi, le quoi président Tshisekedi Aza koyebi sa population, que yé Joseph Kabila, na famille politique na yé.
nde ezako bebisa nde ezako kozala contre développement mboka to se retirer totala nenge ako dirige mboka to se retirer à partir de ce moment là to na problème ya ba nomination te. Mais il y a une réflexion, ni demandeur. C'est vrai, vous n'êtes ni preneur ni demandeur, mais analyse, na yo, moi, si, à moi, na ba nomination, moi, ni, on a mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, maman Arlette. Ce qui est totali bien, au moment là, ce qui, n'a pas cet exemple, ce qui match est au bétama, entraîneur a commis, déjà convaincu que Azo Pola. Si quoi idée n'a commis ni ni, à côté de sa table, tout, oh, bah, supporter, bah, Azo Bélé là. Côté ça. Côté ça trésor pour tout. Eh, côté ça azabazan côté ça siko, et ça sous en fonction à tactique té, en fonction à ndenga préparer là qui match té, à comme côté ça ba joueur en fonction à ndenga baza obelé là na tribune. Pourquoi? Pour ceux qui match sili. Responsabilité à comme sango partager. Non, nga na linga na ko côté ça pour tout té, na terrain, na podium, na stade ndé ba belé là qui côté ça pour tout. Kotisa Meshak Elia, c'est ça que nous sommes en train de constater. Des personnes qui n'ont pas un CV, nakati ya domaine, mais tout simplement parce qu'elle est kakana TV, tout simplement parce que aza patron d'un média, babi non, comme il y a batou balanda kae, il faut kotisa e. Pour ceux qui ont échoué, parce que tous ont okende na ko échoué, non, mais si vous avez dit que vous avez dit que vous telle fonction, que vous telle fonction, que vous avez dit que vous avez dit que l'Union sacrée, vous avez une ambition, mais vous avez une vision. Ambition, vous avez une vision. Vous avez une vision, vous avez une vision. Vous avez une vision, un jour, vous somba motuka vision. Vous avez un jour, vous avez une ministre, vous avez un président de la République. Mais pour que vous avez il faut que vous une stratégie. Stratégie on a des ce qu'on s'agit si on a d'autres na oui comme vision une union sacrée dans la vision t une des personnes dans la vision t ils ont mon anapé pour les qui me conduisent beaucoup dans la vision t y a un des les autres autres t'es pas est-ce que pour autant perdre espoir non nos monibis on a niveau à partir attaque que tous à la peut-être quelques pas de moins en moins apparent dans les médias mais doivent travailler une stratégie. Mais justement parce que bah union se baka ko bundisa Congo bah ça la stratégie. Faut yeba ke kaga metinde nga za oya bundisa biso avant d'aller na ba conseiller na yena ba ministre na ye. Na bana mboka musu. Asa la biso étude. Azo analyser to kokote lande ni to sala ndenge ni. Ba M23 même ba occidentaux nyon so baka ko beta calcul na RDC. Ba sala ka étude. Mais bah oh le lobago kamamboka basalangote ils prennent des décisions à la volée et nous au FCC la famille politique de Joseph Kabila nous au PPRD nous prenons notre temps pour nous réfléchir. Il y a un moment dernièrement sortie médiatique il y a honorable Jeannette Kabila et ça là qui un carton parce que ce sont les choses que l'on discute et bisotwa neli kake na élection au bisotwa okinde nango. On sera victorieux et on va apporter la solution aux problèmes fondamentaux des Congolais. Les Cambodgiens sont souvent en boucle, mais tout le monde est en moi aussi à Boania, les Cambodgiens sont tampons. Et ça, les maquillés, les banques, ils ne comprennent pas. Est-ce que si ils ont été officialisés, ils ont été en est-ce que de la zone tampon, on a une autonomisation et un et distance et soumigité. Est-ce que va créer un état d'Israël ici pour la population ou ana? Ne va combat au pied bangote. Ou baza ko se sentir en insécurité ou mokondi mboka ayambaki pour ba pesa bango moi ma bébé ba défini ma bébé na bango pe ba va na kimia pour baza rasou na motomicité pour ba il se sent en insécurité. Mokili mobimbale to ko mona ba pano ba ko tambla ba ko boma bango. Ngai na sepe na motu na wana. Na linga pe que botuna na bande kwa Union sacrée. Oyo bango ba benga ki isolement diplomatique ya RDC sous le régime du président Kabila. Na o bango ba fongo li ba porte. Na ba Union so ba lingi ko beta nzango na kati ya RDC. Qu'est-ce qui est profitable à la République? Parce que à l'époque de ce que eux ont appelé isolement politique diplomatique. Et diplomatique, nous avons eu code minier, les lois européennes ça ba prouesse na matière ya ba recettes. Fiscal n'a pas réserve d'échange. On a pu
Kopé sa RDC standing mokoboué. Il y a respect. Parce que le président Kabila, c'est une personnalité politique respectée en Afrique et dans le monde. Lelo Oyo, les frontières de la RDC sont devenues poreuses. Il y a quelques mois seulement, président William Ruto a manqué kibiso respect na Kenya avant qu'il ne soit président. Mama Samia Sulu, boya Tanzanie, a lobi RDC za bwenze munene ozo senga mutu nyonso akende kote kana kati po a bénéficier pour na mboka na bango. Tous ces gens-là, ils peuvent exploiter, ils peuvent s'installer. Biso to gagné nini. Na installation ya zone tampon wana. Nous, la RDC, les Congolais, qu'est-ce qu'ils gagnent? Nous, mon Ibiso, depuis toujours, on le dit, que co-diriger Mboka, ce n'est pas l'affaire d'une seule famille politique. Co-diriger Mboka, c'est l'affaire de l'ensemble de la classe politique. Mais Moutounia Soyebike, Bao Bazan opposition, Bao Bazan la majorité. Et ceux qui sont dans la majorité, voilà Bao et Gozala toujours majoritaire. Bison en opposition, nous allons la minoriser, mais au moins, on aura donné notre avis. Mais l'opposition n'est pas écoutée. L'opposition n'est pas considérée. Ça peut s'expliquer parce que pour l'anime, nous ne sommes pas une opposition classique. Élection et même FCC en opposition, et sa volonté a eu des pèses. Volonté à Bakambi a eu des pèses. Mais ça, là, Joseph Kabila, FCCPP, a se retrouvé dans l'opposition. Si vous avez un son, vous avez un son, vous avez. Mais plus que vous avez un, plus le pays est en train de sombrer. C'est ce qui est regrettable. Vous avez un preneur, vous avez un demandeur, vous avez un poste. On l'a toujours dit. Kabila a donné des postes aux gens dans ces pays. Il a été président de la République. Vous avez un sous-poste, vous avez un poste. Ah, sera présidente, maman. Maman, toujours le belano makambu ya mandat o. Il est logique que Kabila ait l'ambition d'être président de la République. Et cela est notre choix. Temps passé à l'oubli en gros. Cela est notre choix. Cela est notre schéma. Il n'y a rien ni personne qui peut empêcher au président Kabila de devenir constitution davantage encore président dans ce pays. Constitution Koboué. Constitution éthique à la Kopé qui s'attache citoyen mon côté à la présidente. La seule fois, la seule chose qui peut empêcher à un président de la République, à un candidat, à un citoyen de ne pas être président, et Zakaka, ceux qui a sa libre infraction, va condamner, va disqualifier. Comme ça avait été le cas avec Jean-Pierre Bemba. Dans les cas d'espèce, Kabila, il a tout le droit d'être candidat président de la République. Ça l'a demandé, t'es maman avec toi. Loi, mais qu'est-ce que dit la Constitution? C'est sûr que c'est demandé. Si le quai, le quoi, les États-Unis, t'es aussi. Maman, c'est maman, maman, on va sauter. Mais 30 à cause, on va pas qui mandat mon coca. Maman Paulette. Oui. Yo, zappé moi, c'est maëlle. Kakandenge, n'a pas de CP la ranaïo. Autant la Constitution, l'obinini, au recours à la deux mandats successifs, t'es. Ce qui va l'obal qui moutoua, qui ça la deux mandaté, pas plus de deux mandats, là, il n'y aurait pas de débat. Pas plus de deux mandats constitutionnels, bah, qui si successifs. À partir de ce moment-là, est-ce que aujourd'hui, ce Kabila s'est présenté dans l'élection en 2023, ça sera un troisième mandat successif? Non, ça c'est d'abord quand le français. C'est le français. Si qu'on souhaite tourner pas Joana. Tu continues à page Moussous. Si l'UDPS a droit à avoir un candidat, Bissot au bout candidat à UDPS. Au nom de quoi l'UDPS a au bout candidat à Bissot à FCC? Au nom de quoi? Non! Il faut laisser les gens compétir. À l'époque du maréchal Mobutu, il était seul candidat. Et même quand il ne l'était pas, tout le monde sait bulletin rouge, n'a bulletin vert. Mais avec le président Joseph Kabila, vous savez, en 2006, combien il y avait des gens sur la liste candidats à président de la République. En 2011 également. En 2018, il y a eu plusieurs candidats président de la République. Mais Lelo Oyo, pour les élections de 2023, il suffit maintenant à Pognoa Lobarosa, la candidate président de la République, pour manipuler le co-constitutionnel.
pour renouveler le procès, pour la redisqualifier. Il suffit que Moïse Katumbi a annoncé ma ambition, que Kolobaza congolais. Problème à nationalité. Vital Kamerhe a rappelé ma camouille accord il y a Nairobi. Autant, il y a un procès à 100 jours. Finalement, pour l'élection à 2023, il y a un candidat. Parce qu'ils veulent vous faire croire que tous les autres partis politiques n'ont pas eu droit de présenter leur candidat. Et c'est eux, parce qu'ils sont au pouvoir, qui doit être notre candidat. Mais laissez-moi vous rassurer que, d'abord, PPRD, c'est un parti organisé. FCC, c'est une famille politique organisée. Nous comptons, en tout cas, pas seulement un seul candidat président de la République potentiel. Nous pouvons en avoir 2, 3, 4, comme c'était le cas en 2018. On peut avoir un autre candidat président de la République, en dehors du président Kabila. Ça avait été Shaddai. En 2023, si ce n'est pas Kabila, ça pourrait être un autre. Mais nous sommes d'abord dans la logique que notre visionnaire étant fort, étant intelligent, étant disposé à servir la République, nous voulons que ce soit lui. Mais où est le problème des autres? Où est le problème des autres? Au côté de l'Ikambango, Maman Nangayo, l'Ikambo UNC a respect, il y a un engagement, il y a un lobby. L'Ikambouana, UNC, UDP, il faut respecter l'engagement. L'engagement là est allé de personne à personne. L'Ikambango, il y a un côté en gamme passé. Donc, il y a un engagement et signé qui entre. Donc, Tshisekedi n'est engagé par l'UDPS, Vital n'engagé par l'UNC. Nous avons compris que nous avons mis à droite. Tant que nous avons posé la signature en tant que président de la partie, nous avons engagé par la partie. Ça dénote une certaine malhonnêteté politique. Comment dire en politique, même dans la vie réelle, soit vous prenez des engagements, soit vous ne les prenez pas. Quand vous avez pris des engagements et qu'il y a un obstacle, vous avez empêché le respect à l'engagement, vous vous êtes retrouvé quand vous avez pris l'engagement, vous avez revoir la clause ou bien vous résilier. Un engagement politique, ça ne se résilie pas de fait. Non. Il faudrait que vous avez pris l'engagement, vous avez retrouvé, qu'ils constatent ensemble la difficulté, qu'ils constatent ensemble l'opportunité de rompre, de continuer ou d'amender. De la même manière qu'il y a eu un accord entre le président Tshisekedi et le président Kabila, c'est à la télé que la famille politique de Joseph Kabila et lui-même Joseph Kabila a suivi que voilà ton résilié accord. C'est à la télé que Vital Kamerhe apprend qu'il a résilié accord. Mais le président Tshisekedi a beaucoup de chance que Joseph Kabila ne soit pas un de ceux qui tant au boy qui respecte l'engagement, il commence à te mettre les épines dans les chaussures ou les bâtons dans les roues. Mais talasiko bakor autant sous bazui nabapaya, ils n'ont pas la même disponibilité que les Congolais que nous sommes. L'UDP a trahi beaucoup de gens. L'UDP n'a pas respecté bon nombre de ses engagements pris avec les formations politiques, pris avec les acteurs politiques. Mais la plupart de ces acteurs politiques, parce qu'on a tous intérêt que Mboka et Kindeliboso. Mais ce que les accords qu'ils ont pris avec les étrangers, le fait de ne pas les respecter. D'abord, il s'agit de quels accords? Voilà comment Banguna, Bakomiko Boma, Bakongolais, Bakomiko humilié. Parce que tu as comme une étape moko oyo, que la RDC est humiliée. Et quand la RDC est humiliée, c'est son peuple qui n'a plus d'honneur, qui n'a plus d'estime. C'est le peuple Bissika Nyonso. Même un Congolais lambda, alors, s'est retrouvé dans Brazza, s'est retrouvé dans Côte d'Ivoire, dans Cameroun. Mais vous verrez que le peuple d'Afrique ne respecte plus les Congolais. On manque à manger. On manque l'éducation, on manque la santé décente. Est-ce qu'on devrait aussi manquer de l'honneur
C'est ça notre problème. La dignité du Congolais et qui est wapi. Pourquoi aller coaliser avec les gens qui n'en valent pas la peine? C'est ça notre problème. C'est qu'au lieu à ta, qu'en dépit de cela, beaucoup qu'à respecter les jeux démocratiques, de mettre en place une CENI qui soit consensuelle, une cour constitutionnelle OESA acceptée par les forces politiques, ils préfèrent déconsidérer les autres familles politiques pour que même élection et ça les maya malamouté, donc, et continuer à créer instabilité en Boka. Ça, c'est une méchanceté. Pour notre part, c'est vraiment de la méchanceté. Na wotu otanga papa Patrick Muyaya wa poto na mina kota li solo ya francophonie et c'est que singa mon kebo excusez ngai pas lobi le Rwanda est en train de s'isoler diplomatiquement tant que zo makamo ba isolement wana na lobi oh donc Rwanda a aussi aka politique ya papa Kabila a ko s'isoler ndenge nini pour francophonie ango biso peto za ki kuna to présenter na biso pe motote kaka mushiki wabo yimo kazungi nai bo ye pa lobi so ki to longo francophonie ko donc une façon que so ki to longo francophonie ko francophonie e baby na tia on kandi mwana résumé on dem bon maman Arlette la francophonie na zako memena biso nini toza la te tozo zwa nini et puis ensuite est-ce que Rwanda penza nenge za lelo eza ko s'isoler diplomatiquement est-ce que bato bako yo ka plus Rwanda ke biso to ndeni na monde nanu les leaders mondiaux ils avaient compris quelque chose et pas à Bakambia Congo et à RDC que Bakambia Congo balingi kakabalo baki non pas reconnaître Rwanda azawa attaqué RDC c'est ainsi que Kaki président et à États-Unis bah comme quoi le bal de parce qu'ils avaient compris que c'est ce que les dirigeants congolais attendent. C'était ça sur les médias au Moni. Diplomatie agissante. Les États-Unis à reconnaître implication à Rwanda à Makamboa Est. Mais au même moment, on a vu le président rwandais Ndenge Baro solo là amicalement na Macron. Alors solo là amicalement na roi Angleterre. Alors solo là amicalement na président Moussoussou. Mais yogo loba ke ba s'isoler. Admettons même ke ba s'isoler. Mais ils ont compris l'importance de la stratégie mise en place par Joseph Kabila. Quand vous vous isolez sagement, vous vous mettez à l'abri de la médisance. Il y a un prédateur, il y a un chacal, il y a un chacal sur ma bête. Mais justement, l'UDP est en train de diriger, mais on ne voudrait pas que Tia Wokende, que Tok se retrouve dans Katia chaos technique. C'est ainsi qu'on a la force politique, on a la force sociale, on va continuer à sensibiliser la population. Toi encourager à faire des essais, de croire Nambo Kanabiso. Nous avons été menacés de balkanisation et bandit les lotés, ça date d'il y a des années, mais on est resté fort, on en est toujours sorti vainqueur. Et nous sommes convaincus que on en sortira toujours vainqueur. Maman, avec le lobby, les Kamamogo lobby, Mboko Yali Abiso Nyosu. Gana l'andi monto ya communauté. Mais ça, ma maman, ma communauté. On est tiens à Kiro na monoko. Muto tribu muta tribu wana muta tribu yo bayambaki mangona mokonzi mboka na moni extrêmement ko yakala alobi biso to lobaka mboka bakoko batikela biso mais alobi koko ya nani azalaka na Berlin tango bakabolaka RDC question wana e ningi singa mwa moki alobi bango bazali boso batuti avant ki bazala bakongole si konga lobi na extrapolé donc nga Nazana nous yes, congolaise. Maman, il y a des gens qui sont en donc, si nous avons fait la moutou, nous avons la congolaise. Aliko quoi, nani a traité de Berlin, tant que je suis en Congo. Maman, au moins, un message, je vais vous dire que je suis en Place biso, tu télémélaka, ou bien tu apportes qui moi, ba réforme. Moi, ba réserve, je veux dire, na. Projet à loi Tchani, ouais, des pères et des mères. Pourquoi? On avait dit que les Congolais ont des lingi mboka, mais les gens ont parents qui sont congolais. Pourtant, il y en a d'autres. Les gens ont une nationalité congolaise, ils ont un passeport congolais, mais ils ont des lingi mboka.
ce genre de discours ne gobime pas bandeko wana. Donc toi au vivre na mboka obiso ba misuzu, on peut se sentir vraiment entièrement congolais et ba wana bango moko ba se comporter comme s'il n'était pas des congolais. Mais en ce moment sort nyonso eza maboko ya mokonzi ya mboka. En français on dit que c'est lui qui préside à la destinée du pays. Naminito. Il a reçu la communauté Banyamulenge. Au même moment, tout tiyo Banyamulenge, ba yisa biso pe vérité to yebite biso baza banani. Au même moment, Toyoki général Mwana Museveni kolobake ba M23 eza bango wana ba tuti o ba o budela ba droit ya ba minorité, notamment ba droit ya ba tuti. Siko après que le président Félix Tshisekedi ait reçu ma délégation à Bango et écouté le général, quelle est l'option qui a été levée? Bisson, nous ne sommes pas pour la discrimination. Et pas Bisson va perdre tous celui qui se sent fier d'être Congolais. Il a sa place. Mais aucun Congolais n'a le droit. Il y a aucun d'arra pour combattre Baninga ba Congolais Moussous. Et dans la plupart des cas, au moment là, tous les autres tribus à ba Congolais, ils ne s'attaquent pas du tout envers Bandeko Moussous ou Bayakoya. Mais peut-être Bangonde, ils sont tout le temps en train d'attaquer les autres, ce n'est pas intéressant. Mm-hmm. Mais au-delà de tout, on doit toujours reconnaître la possibilité dont le chef de tout un humain y a pour défendre nos intérêts. Donc, Bao Baza Bakambia Mboka, ils ont la responsabilité de défendre les intérêts. Est-ce que la tribu Wana, Bazali plus menacée que Ngaï ou Bako Boumana Kwamout? Est-ce que Bazali plus menacée que Teketo Bayaka? Est-ce que Bazali plus menacée que Nzala Lokwa Bato Bana Kasai? Pourquoi ils se sentent plus. Bako le Babiso sous stigmatisation, mais ils se victimisent un peu trop, Maman Nanga. Pour le nom de Nazotambola, Nazotana Bilili, la pancarte des États-Unis, on a Wapi, Bako Boumabango. Non, mais Bako Boumabango, Wapi. Mazana, c'est une institution. Batokoutou, depuis que nous avons la Mona Moutou, il y a beaucoup de pauvreté. Depuis que nous avons la Tata, la Bango, la Koko, la Bango, la poste minière, il y a beaucoup de pauvreté. Bon, c'est quoi, Boumabango, Wapi? Bamitouna, pourquoi depuis Félix Tshisekedi Azana Bokondi, on parle trop de cette communauté-là. Parce qu'ils sont ici depuis des années. Depuis le maréchal, depuis Moïse Kabila, depuis Joseph Kabila. Qu'est-ce qui leur a été dit? Bakonzinabi soit Lelo, Bakambia Lelo. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette communauté? Qu'est-ce qui leur a été dit? Pour Lelo, Baba qui s'adégré na bango ya victimisation. À l'époque de Joseph Kabila Bazaine, il y a un représentant du gouvernement. On n'entendait pas que il y a une communauté, il y a Banamulenge, ou bien il y a Batuti, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font. Est-ce que ce n'est pas que à cause ou avec la venue de Félix Tshisekedi, quand il a décidé, il y a pèse à mon Congo na Joseph Kabila, il s'était senti obligé, il y a ça la combinaison na Banguna, RDC. Ce sont ces questions-là auxquelles on doit plutôt répondre, sur lesquelles on doit nous apesantir. Mais le plus important aujourd'hui est que Tomituna, qu'est-ce qu'il faut pour la tranquillité à l'est du pays? Qu'est-ce qu'il faut? Maman, ni comme francophonie au sauté moi mouké n'atteint le mot qui vraiment exact. Aujourd'hui, si la RDC décide de quitter la francophonie, c'est un cataclysme. Patrick Mouyaya, on a retourné. Na tuna qui est venu répondre à mot et apporter biso nini francophonie on. Tous à la tête, tous ont gagné nini nakati. D'abord, biso doit gagner le côté, mais doit faire gagner bandeko mususu, bamboka mususu. De la même manière que tant regarder ses côtés, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Le président avait dit que ils ont avantage, tout le monde a reconnu, avantage économique, voilà. Mais en fin de compte, c'est ceux-là qui bénéficient. Parce que nous ne produisons pas. Le climat d'affaires est bon quitté dans Mboka. Depuis Mokonzi a suivi Mokonzi, investisseur a été. Nous ne faisons que subir. C'est tout simplement de l'orgueil.
de la part de notre gouvernement. Pourtant, nous avons des potentialités qui permettent que véritablement tout vivre honneur na dignité. Ils sont passés tout simplement à côté. Bamemi zizani na kati amboka boka bwani cohésion nationale et connaître coup. Okoka bango baroloba non, le président de la République appelle à la cohésion nationale. Voilà le premier ministre azango appelé à la cohésion nationale. Les forces politiques et l'union sacrée basali marche pour la cohésion nationale. Mais dans la pratique, on ne sent pas les preuves matérielles. Il y a cohésion nationale. Tant l'honorable Jeannette Kabila a l'obéli Makambamboka, il faut que vous alloyez billet pour dire que ça, c'est un député, il y a FCC. Mais tout celui qui n'est pas congolais, qui l'a entendu parler, a tout simplement entendu une congolaise parler sans tenir compte des clivages. Le président Kabila, il avait la majorité parlementaire, mais il a accepté de faire alliance avec le président Tshisekedi, sans tenir compte du fait que lui ne pouvait pas à la cohabitation. C'est ça ma preuve matérielle, il y a cohabitation, il y a cohésion nationale. Mais Lelo Oyo, à part le slogan, il y a un bande de quoi DPS, il y a un bande de quoi Union sacrée que la cohésion nationale. Tout le monde a un bande de quoi Baro Kangama. Si c'est que le communicateur, il y a FCC. Nous avons dernièrement, le président Martin Fayoul a dit que le communicateur, il y a FCC. Pour le communicateur, il y a Lamuka. Est-ce qu'on peut dire que place en preuve la cohésion nationale et Zali? Quand une CENI qui est imposée, Azao Kendeko Loba, sans l'opposition, calendrier, c'est bien. Arobim sa calendrier, Alobi, qui Arobim sa carte d'électeur, Azali cartographie, sans l'opposition, le pays doit avancer. Mais comment ça savait dire quoi? Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau que l'UDPS fait à l'opposition. J'ai déjà rappelé ici que nous ne sommes pas dans une opposition voulue par le peuple. Vous imposez aux gens d'être dans l'opposition et vous-même, vous obligez même de violer leurs droits. Ce n'est pas normal. L'honorable Mbata, à l'époque, il était président, il y a je pense... groupe parlementaire ou je ne sais pas. Il y a eu des pèses. Groupe parlementaire, il y a eu des pèses, mais aussi, il y a commission chargée. PAJ. PAJ, pour préparer les membres de la CENI. Pendant que la loi prévoit 15 membres de la CENI, et répartir en gros, selon la force politique, la force sociale, déléguer les membres de la CENI. L'honorable Mbata a dit aux Congolais sur les médias que non, on avait récolté 25 candidatures et puis il y a 25, on a toponi 15. C'est sur base de quels critères? Oh non, celui opposition est l'ingité. Oh, ça ne va pas bloquer la machine. Non, on va évoluer. Mais ce n'est pas un cadeau pour l'opposition. Opposition. C'est un droit pour l'opposition. C'est un droit pour le FCC. Il y a qu'aux Alana, un membre de la CENI. C'est un droit pour nous. C'est un devoir pour eux. Si quoi, Babo et Kopé Sabiso, et ils continuent à avancer. Ils nous parlent de cohésion nationale. Ils ont coûté un athée. Dans 2023, moi, ma tête est aux Alains. Bon, dimanche, bon, aucun détail, on s'en apporte quelque chose vide. Ceux qui auront été à la base, Yama Tatawana, ils vont répondre devant les peuples. Nous avons la responsabilité. Il y a respecté le peuple. On se déjà sûr que le président Félix Antoine Tshisekedi est déjà réélu. C'est où ils ont encore quoi formalité? Bilan, il y a des positifs. Salim Makamouibele, gratuité de l'enseignement, tout ça, liberté de la presse, à nommer bateau, à déboulonner système. Donc bilan est appelé. Donc 2023 a déjà acquis. Donc on ne se pose pas comme la Wendy. Y a Liboso, n'oublie pas que en politique aucune bataille n'est totalement gagnée en avance. Aucune. Na Zambie awa, il y a un président qui vient de faire un seul mandat. Na RDC, Félix Tshisekedi n'attendait pas gagner aux élections de 2018. Donc aucune bataille en politique n'est gagnée d'avance.
Et en politique, on ne minimise, pas un adversaire. Et on ne peut pas surtout minimiser le FCC, minimiser le PPRD. C'est un parti qui a dirigé pendant 18 ans et il a la stratégie pour arriver président de la République. De ce côté, qu'il se détrompe. C'est que, par rapport à ce que disait Tchitchi, Étienne Tshisekedi wa Mulumbazaro Lobaké, un gouvernement missionnaire, et Zalakaya pour résoudre les problèmes fondamentaux, il y a population. Ils peuvent bien dire qu'il va saler gratuité de l'enseignement. Ils peuvent bien dire qu'il va réaliser projet 100 jours, va réaliser Chile Gelo, va réaliser 145 territoires. Mais est-ce qu'ils peuvent dire aux Congolais que dans tel domaine, ils ont changé les vécus quotidiens de Congolais? Toujours gratuité enseignement. Babi, quand il s'agit de la vie, il s'agit de la en plus, quand il s'agit de la vie, il s'agit basombaka uniforme, il faut enseignant azala payer, il faut école et je frais de fonctionnement. C'est que ce qui les conditions de vie à un parent échanger té attaque au comme sa classe au félé. Est-ce qu'il y a un de permettre y a sombe la moine en uniforme et go permettre moi nanaye azuelo kwa kolia na tongo avant qu'en des classes et go permettre moi la kisinaye akoka kwa go tangisa azala na transport. Ndo moni dernièrement, mon lakissimo quoi 62 ans a quelque violé moi na ya 12 ans bon, ou bien ya 15 ans. Mais quand les conditions de vie ne sont pas garanties, quand les conditions de travail ne se sont pas améliorées. Voilà, et comme ma biso, on est allé fautif pour moi un mineur. C'est un fait de société. Si vous avez dit que ce dit la loi, c'est qu'a fait les gens. Mais ce qui est comme un problème de société, c'est là qu'on va retrouver la responsabilité de l'État. Et si vous avez dit que vous dans ma meilleure condition, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Mola qui si a causé un risque et a causé que senga moi na babilo konetio anate parce que koye ba ke ba ko kangama. Aujourd'hui tout le monde sait que la justice est à refonctionner mal à monter. Peut-être pas par la faute du magistrat parce que moi je ne vois pas un seul magistrat à la volonté à rebébi sa justice. Les conditions de vie, les conditions de travail, l'impunité, les désordres au niveau politique. L'ingérence à politique, tout cela est bébé. Les amis, tant on le dit, ingérence politique, il y a un papa qui a dit que il y a des personnes qui ont dit que exemple patent, il y a ingérence politique. Comment le papa Kakwanda? Wakwenda. Quand il y a un boutou, il y a des vraiment, il y a des personnes qui ont dit que c'est un main noir. On paie la justice. Merci, Maman Arlette, en tout cas. Merci, Mingi. Aux 8 ans, il y a un peu de temps. Il y a Maman Arlette. Il y a un peu de temps. Merci pour vos commentaires, pour vos suggestions. Merci, Mingi, pour vos penza. Je vais profiter de l'occasion. Maman Arlette, qui est une femme africaine, elle a un peu de temps. Je vais vous dire que vous avez un peu de relax. Mais mère, je vais vous dire merci en tout cas. Merci pena moto makienga lelo Beauty Lama 1. En tout cas, merci na ye azali na compte Instagram. Na vie que chade okangina nga photo o tiela ngai pas comme partenaire na ngai. Donc il y a la Lion TV officielle Beauty Lama 1. Merci na yo pour na maquillage léger lelo. Lelo na boya ki vraiment kozala trop chargé, mais c'est vraiment le plus léger possible. Mais sur lequel na Instagram, bobeti Beauty Lama 1 boko mona ye. Ou yaza ko makienga, le makiaka nyonso léger, makasi, mariage, tout et tout et tout. Merci Nabino Bandeko, toko mona na balasima.